Salut à tous, bienvenue sur cette petite vidéo du dimanche. Comme d'habitude, on fera le tour de mon élevage et on commencera par la Messire Barbarus. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau chez Messire Barbarus? Ah, on va avoir directement un petit mâle ici. Voilà, on va profiter de le filmer tout de suite. Le couvain a franchement diminué. On a eu une bonne petite pause dans la ponte. Donc, on va pouvoir observer directement une baisse de couvain. Bon, il y en a encore un petit peu partout, mais on trouve plus de stade de larves, larves stade 2, par exemple. On va trouver, on verra ça après, que des toutes petites larves. Enfin, il y en a encore quelques-unes des grosses, mais c'est pas ce qu'on a eu connu chez les messors pendant la période d'affluence de cet été. Bon, ici, elles sont pas mal dans les tuyaux en ce moment. Ici, on en retrouve ici. Là partout. En fait, le tube il est plein. Je vais ça. Ah, le tube il est plein de fourmis. Donc, on en voit un peu moins dans les nids, mais bon, maintenant elle considère carrément ce tube à mon avis comme une salle. Donc voilà, dans ce petit nid là que j'ai réhumidifié, on a le dépotoir qui s'est encore déplacé, encore grandi. On a ici un petit peu de monde. Ici ma boîte de raccord, toujours pleine. On voit qu'elles sont encore en train de bouffer mes tuyaux. J'ai toujours pas résolu le truc. Et dessous, on a un peu de couvain à l'ombre, un peu de couvain là-bas aussi. Bon, voilà. On n'a pas la princesse. Je sais pas où elle est passée. On va aller voir dans ce nid-là. Donc ici, on va retrouver des petites larves, un peu de couvain. J'ai vu croiser une grappe d'œufs ici. Ouais. On a un petit bout ici. Il y en a un petit peu, mais rien de bien exceptionnel. Après, les températures vont commencer à baisser. Pardon, j'ai la voix qui gratte un peu. Pas tout de suite, ici on a encore du couvain. Ah, là on a. Ah non, pardon, c'est le reflet dans la vitre. J'ai cru qu'on a une paire d'ailes, mais non, c'est un reflet. Voilà, faut que j'ouvre les yeux. Donc, ici des graines. Toujours des graines. Non, on n'aura pas vu la princesse qui va être bien cachée au milieu du couvain. Tout cas, tout se passe bien. Ici, dans cette aire de chasse, moi, toujours du monde. J'ai changé l'abreuvoir il n'y a pas longtemps. Et on voit qu'elles sont en train d'y chier partout dessus. Donc voilà, elles ont recommencé à me faire un petit dépotoir là-bas derrière, un truc qu'elles avaient arrêté de faire mais qui recommence. Et aussi, ici, on a des restes de coton. Ça, c'est les cotons qui sortent des abreuvoirs. Voilà. Alors après, on a très peu de dépotoirs parce qu'on n'a jamais de cadavres ici. Voilà. Dans la grande aire de chasse, enfin la grande aire de chasse, dans la plus grande des aires de chasse, c'est tout le temps du monde. Elles sont tout le temps en panique là-bas dedans. Mon mélange entre le major et la gine qu'on a pu voir dans la semaine, je l'ai entrevu qui passait par là et apparemment il a pris sévère. Alors là, je viens d'ouvrir donc ça va être branle-bas de combat, tout le monde va courir dans tous les sens. Voilà, on va aller jeter un coup d'œil. Ah non, il est là. Vous voyez là, il court sur le dépotoir. Alors je sais pas, voilà, là devant vous. Vous voyez, regardez le gaz qu'il a. Il a dû se faire bien secoué par les autres fourmis. On voit que son gastre est bien défoncé. Donc je pense qu'il a dû se faire attaquer sévère par les autres, à mon avis. Hein. À moins qu'en bougeant un tuyau, je l'ai coincé, ce qui m'étonnerait fort. Mais en tout cas, toujours en vie. Voilà, on va en profiter 2 minutes. Hop. Oh, il est tombé. Il est tombé où? Là. Ouais, il a le gastre vraiment, vraiment beaucoup abîmé. Bon, il va vivre encore quelques temps, mais il ou elle d'ailleurs. Mais je pense pas que ça dure encore 6 mois. Enfin, ça, on verra bien. Allez, on ferme les messors parce que j'en ai qui sont en train de se taper l'escalade en haut des massifs. Voilà. Et bon, normalement, ils sont pas censés pouvoir se barrer, mais je préfère éviter. Allez, on a fait le grand tour chez les messors. On va dézoomer. Je vous ai fait voir encore une vision bien pourrie. Pour info, pour une certaine personne, la poussière est faite. Voilà, on va aller dire bonjour à ma Liniperda. Ma Liniperda est en train de se gaver de liquide totalement. On voit les ouvrières qui ont une belle physio. Celle de derrière est un tout petit peu plus maigre là-bas au fond. On voit flou parce que le tube doit avoir des petites rayures. Ici, on a encore du couvain. Et accessoirement, il est au stade larve. Donc on va voir, elle va pas tarder normalement
à passer en diapose. Alors je pense que ça va être aux alentours du 1er octobre où je la mettrai réellement en diapose. Pour l'instant, on voit que les œufs sont encore bien blancs et j'ai l'impression que le couvain continue à se développer. Enfin voilà ce qu'il en est pour la Lini-Perda. On va aller jeter un œil, on va dézoomer à ma Barbaricus. Bon, il n'y a pas de surprise, hein. Je l'ai regardé avant, je sais ce qu'il en est. Toujours en vie, mais toujours pas de ponte. Donc voilà. Donc je vais tester autre chose avec elle. Je vais lui. Là, je vois que le tube, ça fonctionne pas. Je vais lui proposer une aire de chasse. Essayer de la nourrir en aire de chasse parce que de toute façon, il faut qu'elle mange, quoi qu'il arrive, sinon elle va crever. Et du coup, je vais essayer de la faire fonder comme si elle était semi-claustrale. Donc là, j'ai coulé une petite ADC vite fait, mais qui n'est pas encore sèche. Donc du coup, ça sera dans la semaine, donc on en parlera dimanche prochain. Allez, on la remonte elle. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Je vais vous montrer. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un tube vide. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Non, ça, je ne vais pas vous montrer tout de suite. Ça, je le garde pour plus tard. Je vais vous montrer autre chose en attendant. On va passer ici. On va vous les montrer, celle-là. Hop. On va retrouver les quatre qui sont là. Quatre scutellaris que j'ai récolté moi-même. Voilà, ça c'est la Phaenogaster subterranea que j'ai récolté moi-même, sachant que la deuxième que j'avais est morte. Donc du coup, ces gynes-là, je vais les faire fonder et elles sont prévues pour mettre en l'eau aussi sur la chaîne. Donc ce ne sera pas tout de suite parce que je vais caser toutes pondues avant de faire quelque chose. Donc on en reparlera au fur et à mesure des semaines, mais ça se précise. Donc ça sera quatre gynes que je vais vous faire gagner en plus de la Phaenogaster. La phénogaster, sachant que j'ai aussi récupéré à l'intérieur de chez moi trois gynes, mais qui sont encore ailés. Donc j'attends de savoir si je vais les garder. C'est ce que je ne vous ai pas montré juste avant. Je vais vous les montrer rapidement. Donc j'en ai une qui a l'air. Hop, ici. J'ai celle-là qui a l'air d'avoir le gastre légèrement abîmé. Je l'ai trouvée dans le rebord de ma fenêtre. Voilà. J'ai celle-ci que j'ai trouvée dans une toile d'araignée. Celle-ci ou celle-ci, je ne sais plus. Une des deux, et l'autre qui courait sur le carrelage. Donc celles-là, elles ont des ailes. Comme les essaimages sont encore en cours en ce moment, si je vois que ça n'a rien donné d'ici la fin de la semaine, elles retourneront prendre leur envol, entre guillemets. Donc voilà, on va descendre chez les Chronotatus, qui m'auront offert cette année un développement dingue avant de partir en diapause. On peut s'apercevoir qu'il y a encore un magnifique couvain. Voilà. Il me reste encore un cocon, leurs couleurs, elles sont vraiment ouf maintenant. Donc voilà, j'ai des médias. Madame Lagine. Hop. Madame Lagine qui est super belle. Ici, on a encore du couvain. Ici, on a encore un média. Et dans l'air de chasse, petite trophée galaxie du dimanche. Comme mes fourmis aiment bien vous montrer. Et ici, j'en ai une qui se bat avec un reste de verte farine qui date de la semaine dernière et qu'elles n'ont pas fini de manger. On va passer chez les Japonicus qui sont juste là. Donc chez les Japonicus, le développement a repris. Voilà ce que je vous disais la semaine dernière. Donc on a trois beaux cocons, on a des larves qui ont bien grossi. Par contre, j'ai observé aucune ponte pour l'instant. Donc maintenu à 27 degrés comme la Chronotatus. On verra ce que ça donne par la suite. Mais bon, déjà le couvain a repris une évolution. Et je devrais avoir quelques naissances, sachant que j'ai quand même eu deux ou trois pertes cette semaine chez elles. Donc c'est pas plus mal qu'il y en ait qui arrivent. On en profite du tenut là, on passe directement chez ma latéralis. Voilà, latéralis qui a un tout petit couvain. D'ailleurs, elle est où? Attendez, je vais regarder hors cam. Ah, il est là. Je sais pas si je vais vous faire la mise au point, c'est tellement petit ces œufs. Voilà, là, hop, devant l'ouvrière, là, voilà, très très peu de couvain. On a quand même, oula, je tremble, on a quand même de belles ouvrières. Mais ça démarre tranquillou, tranquillou. Je vais dézoomer. On va descendre, faire un tour. J'ai un nouvel personne ici, non? On va les recouvrir toutes parce que du coup, je les chauffe encore un peu. On va descendre chez Manicarubida avec un nouveau setup que j'avais pas fini de raccorder dimanche. Donc voilà, ceux qui ont vu sur Insta, j'ai déjà posé des photos. On va ouvrir les aires de chasse. Donc maintenant, ça leur fait deux aires de chasse bien pleines. Alors, elles ont un max de nourriture parce qu'elles ont la dalle. Donc ici, il y en a une même qui est en train de nager dans le liquide sucré. Alors attendez, je fais un coup de main. Voilà.
Elles vont s'en sortir. Voilà. Ici, j'ai fait un test de gelée. Apparemment, elles ont bien mangé, mais là, ça a fini par sécher. Dans l'autre aire de chasse, pareil. Donc, un décor plus zen, plus tranquille. On se retrouve avec moins de sable, une dalle marbrée. Pareil, de la gelée ici dans les petites boîtes. Voilà. Alors, je ne sais pas si elles ont réellement mangé ou si ça a séché, ça a diminué, mais en tout cas, c'est parti. Là, je leur ai mis un peu de liquide sucré juste avant la vidéo, histoire qu'on les voie un peu venir manger. Donc, voilà. Je vais fermer cette boîte parce que je vais y mettre les mains dessus. On va fermer celle-ci aussi. Voilà. Ici, donc on a mes deux tuyaux de raccord avec ma petite boîte de raccord où on peut les observer en train de se balader d'une aire de chasse à l'autre. Je fais gaffe de bien fermer les aires de chasse. Hop. Ici, on a toujours cette grande aire de chasse, enfin cette petite aire de chasse qu'elles prennent pardon, pour une grande salle. Donc voilà. Et au-dessus, ben on a encore un joli couvain. Hein. Tac, ici, tu sais, en mes deux points. Ici, on a une grappe d'œufs au milieu, si je vois bien. Donc voilà, pas mal de larves. Ça manque d'insectes en ce moment, il faut vraiment que j'ai investi dans des insectes, mais je sais pas, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Je pense que c'est pour ça que les larves, elles développent un petit peu moins. Comme je donne moins souvent des insectes, bon, elles mangent des moustiques, des araignées, des conneries qui traînent dans la maison, mais pas aussi régulièrement que ce que j'ai fait les 2 derniers mois. Donc voilà, alors après, c'est normal aussi, hein, si je regarde ce qui se passe dehors, avec les baisses de température, j'ai quand même beaucoup moins d'insectes en extérieur. Donc même si elles étaient en extérieur, elles en auraient moins aussi. Mais c'est vrai que j'ai vraiment réduit d'un coup depuis que j'ai vu les acariens chez les vertes farines. Donc est-ce que toutes ces larves-là, elles vont pas manquer de nourriture à un moment en termes de protéines, puisque du coup, elles avaient peut-être adapté la ponte, par rapport à la quantité que je leur donnais de protéines. Donc il faut vraiment que je fasse quelque chose. Je vais essayer de trouver des asticots dans la semaine. Et on verra ça. Voilà, ici encore du couvain. Et encore du couvain partout, comme on a l'habitude de voir chez ma manica. À côté, on va profiter, je vais vous la montrer aussi. Hop. Alors elle, ça va être plus dur. Alors attendez, déjà elle a joué cache-cache, un cache-cache. Alors, une petite Myrmica ramassée dans mon jardin. Alors, j'ai pas identifié l'aspect encore, il faut que je regarde. Alors, si je regarde le pétiole qui a une forme avec une petite bosse, c'est censé être par rapport à l'identification sur clé fourmi, ça c'est censé être une Rhigynodis. Donc voilà, semi-claustral, donc forcément ADC avec un peu de terre et de la nourriture. Je l'ai capturé dans la semaine, j'ai toujours pas de ponte apparemment. Donc ça va être à surveiller. J'en avais chopé 3 autres que j'avais mis en polygynie et ça n'a pas été ouf. Mais elles sont mortes tout simplement. Donc comme quoi on ne réussit pas à chaque fois avec tout ce qu'on veut faire. Mais voilà, allez, on en a assez dit pour cette semaine. Ah, la Myrmica Rhigynodis, ce sera aussi un lot d'un concours. Donc ça va vraiment faire pas mal à faire. Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment je vais les espacer. Parce que je ne fais pas tout gagner en une fois. Je fais certainement plusieurs petits concours. Et j'organise ça et je vous tiens au courant. Voilà. Pour ceux qui sont encore là, vous verrez dans la description de ma vidéo, je vais mettre un lien en house avec un code promo. Ils m'ont proposé de leur faire un peu pub en espérant que plus tard ça puisse aider ma chaîne. Donc je vous le mets en description. Si quand vous commandez chez eux, ça vous dit de passer par ce lien et par ce code promo, bah, ce serait sympa, ça fait un petit coup de pouce. Comme ça, je ne demande rien particulier, ça vous coûte rien surtout. Ça me permet peut-être de, je sais pas, pour l'instant c'est assez vague leur histoire, mais ça me permettra peut-être de pouvoir faire évoluer ma chaîne. Donc voilà, je vous remercie, je vous souhaite un bon dimanche et à dimanche prochain. Ciao, ciao!